à tous, j'espère que vous allez très très bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto maquillage. Donc c'est le maquillage que je porte actuellement. Donc réalisé avec en majeure partie avec ma palette Huda Beauty. Et j'utilise le fameux Fossil Superstar X-Fiber, donc de L'Oréal. Si vous voulez voir ce que ça donne de plus près. Donc je vous laisse avec la suite. Donc je prépare le terrain. Je mets les petits morceaux de scotch pour que mon liner soit nickel et mon make-up soit bien propre. Et bon, si jamais j'ai des chutes, voilà, ça chutera un petit peu, mais voilà, c'est le scotch qui va prendre. Ah, j'ai mal mis celui-là. Je galère pour l'enlever. Il va falloir que j'utilise mon masking tape. Enfin, c'est pas comme si j'en avais pas. Hein, mais... Voilà. Ensuite, je viens mettre ma base, donc à paupières. Moi, c'est la petite Laura que j'avais eue avec mes palettes sur la ligne. Elle fonctionne très bien. Donc, comme ça, je vais pouvoir tester mes pinceaux Zoeva. Donc, je vais prendre ma palette Huda Beauty et je vais mettre le fard. C'est pas du tout préparé à l'avance, hein, donc c'est complètement de l'impro là. Je vais prendre le fard Bossy, mixé avec le Emma. Ouais, ils sont super doux ces pinceaux, c'est trop cool. Ça paraît vachement flashy à la caméra, mais c'est pas le cas. Je vais prendre le petit crease, donc ça se boule, et je vais venir prendre la couleur coco. Ça fait flashy la caméra, c'est un peu fou. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau comme ceci. Et je vais prendre le noir de la palette, le Black Truffle. Vraiment appliquer. Juste au coin externe. Bye.
déjà. À paupières et en remettre sur la paupière mobile. Ensuite, je vais prendre un pinceau plat. Celui-là, c'est lequel? C'est le 325. Et je vais prendre la couleur Angélique. Ici, là. Je vais appliquer sur ma paupière. Il est vraiment beau celui-là de farge là. Il est vraiment trop beau. Je vais réintensifier le noir avec mon petit pinceau bleu là. J'aime bien quand le coin est vraiment sombre. Je reprends mon petit pinceau et je viens de reprendre du henna. Je vais venir prendre le B, là, le B, B, je sais pas quoi, comment je l'appelle, celui-là. C'est le 238, le Precise Shader. Et je vais pas prendre cette palette là. Qu'est-ce que je peux prendre? Une autre palette. Je vais venir prendre mon fard Colourpop comme ceci. Donc c'est le I Love This Looks Looks. Voilà, I Love This en super choc shallow. Je vais venir le mettre en coin interne pour illuminer. Ils sont vraiment bizarres ces fards. Vous voyez tout de suite la différence.
Enfin, celui fait, celui pas fait. C'est vraiment lumineux. Je vais réintensifier le rose une dernière fois. Vous pouvez voir, il est dans un état focus. Il est dans un état, mon pinceau. Et mon gel, il est fond du pot. Mais bon, c'est vraiment le gel liner préféré. Il va falloir que j'essaye les crayons feutre liner. Il va falloir que j'essaye. Je vais essayer de m'en commander. Ça va bien pour tester. Bon, c'est parti. Voilà pour un. Je vais quand même en vous pisser, vous pouvez m'avoir sans que je Je suis partie dans le bon sens, ça fait mal. Ça me fait pleurer. Mais ouais, pleure. Je vais prendre le phare Enna. Ça ressort tellement en caméra, alors qu'en vrai, je trouve pas. Qu'est-ce que c'est ça? On va mettre un peu de bossy aussi avec. Je vais reprendre un peu de noir dans le coin. Donc le noir il s'appelle Black Truffle. Alors je vais reprendre mon tout petit chocolat bar. Je
supérieur. Utiliser mon nouveau mascara, donc le L'Oréal Fossil Superstar X Fiber. J'ai pas focusé hein, aujourd'hui. Voilà. Super Macadie. Alors, on y va avec la première étape. La première étape. Qui sont vraiment parcourus, ça m'ennuie. Et après, je viens mettre l'étape 2, donc les fibres. Et là vous avez une longueur de fou. C'est juste dommage que moi il soit pas recourbé les cils. Voilà. Bon, vous voyez déjà la différence quand même avec le côté là. Avec l'autre côté. Hein.